Qu'est-ce que t'as compris de ce qu'on venait faire? Vous allez filmer Strasbourg parce que t'as pas l'heure d'un. Non. Parce que t'as pas le temps de l'écrire. Alors toi, t'en penses quoi? Bah après. On le détruit. On va mettre. Après, c'est ok. Parce que là, on va faire quelque chose de bien. Parce que sinon, il va se détruire dans le mur. Bah, moi je suis arrivé à Lille en 1970, comme j'étais région de Carvin dans le Pas-de-Calais. Et donc j'ai habité dans la rue de Condé pendant 10 ans. Après j'ai fait une demande au boulevard de Strasbourg, donc j'ai habité à la première tour, la première barre grise, voilà, là, vraiment au bord, à côté de la porte des postes. Et après, je suis venue à la barre colorée. Et ça fait 22 ans que j'étais à la barre colorée. Donc toi, tu disais que tu es arrivée en 61 alors, et c'était des nouveaux logements, c'était, ça venait d'être construit. C'était alors, tout neuf. C'était tout neuf. Bah, c'est l'époque où il y avait la crise du logement, parce que si tu réfléchis, 61... par rapport à 45 qui est la fin de la guerre, ça fait pas très loin. Non. Et les HLM du boulevard de Strasbourg, c'est pas les premiers. Les premiers HLM, c'est boulevard de Belfort. Je parle des HLM hein, parce que il y a eu encore avant porte de Béthune. C'était des HBM et c'est avenue Vérarenne. Vous connaissez pas ce groupement d'immeubles? Ben, c'est les premiers de tous. Ils sont tous beaux d'ailleurs ceux-là. Ceux-là ils sont restés beaux. Très très beaux. Hein. Ça va faire 18 ans au mois de juin que je suis ici. Au début, c'est vrai que ça me plaisait pas beaucoup. Petit à petit, j'ai adoré. Je me suis complètement... je suis complètement rentrée dans la vie de Moulin, dans la vie de Marcel Bertrand, et puis le centre, la vie de tous les jours. Oh, il y a beaucoup de choses intéressantes. Bon, les premières années qu'on arrive ici, c'était agréable. Il y a des jeux, il y a beaucoup de personnes, on côtoyait tout le monde. T'as visité d'abord, je suppose? Oui, oui. Qu'est-ce que t'as pensé de l'appartement? Je l'ai bien aimé, j'étais au rez-de-chaussée. D'accord. T'es sur quelle entrée? J'étais au 66 et là, je suis au 58. Donc t'as voyagé dans la barre? Voilà. D'accord. Et donc t'as trouvé tout de suite... C'est le seul appartement que t'as visité ou... Bah, j'ai visité le 66 et je l'ai pris tout de suite. D'accord, ok. Et après, comme j'ai eu... Ma dernière fille, j'ai demandé un L5. Qu'est-ce que tu t'es dit quand t'es rentrée dans l'appartement? Bah, au début, le jour du déménagement, on a eu peur parce que on a commencé à ramener des affaires. Et en fait, comme on faisait des allers-retours, quand on est revenu, on avait mis du chewing-gum dans notre serrure déjà, dès le premier jour. T'es arrivée il y a combien de temps ici? 3 ans. 3 ans? Est-ce que tu connaissais déjà un peu la résidence et un peu ce qu'on disait par rapport à ça? Et quand t'as su que tu viendrais ici, comment t'as réagi hein? Comment... Bah, ça m'a rien fait. C'est un thune. Après, ça fait depuis 10 ans que je suis ici. Et alors, le premier souvenir que t'as ici, c'est lequel? C'est quand je suis venue ici. Quand j'ai été née. Et alors après? Après j'ai grandi, je suis sortie avec Faisal. C'est lui qui me sortit, c'est lui qui me sortait. Et il voulait pas des fois. J'étais avec ses copains. Ses copains, ils avaient des petits frères. Et vraiment, je me souviens de ma première impression. C'est rentrer dans l'appartement.
Il y avait une grande salle à manger salon et trois chambres avec un espèce de mini couloir et une salle de bain et une petite arrière-cuisine, un petit cellier et une grande, grande penderie et tout ça. Et j'avais regardé, je m'étais dit, oh, comment je vais faire pour me rappeler où c'est ma chambre ? Est-ce que justement, t'es resté jusqu'à quelle année au boulevard ? Parce que 78-79. Ah, donc ça fait un sacré moment que t'es partie du boulevard. Ah oui. Donc t'as connu la première partie. Ah, moi j'ai connu la toute première partie du boulevard. D'accord. Où n'arrivaient que des couples assez jeunes, en général avec deux ou trois enfants, et qui étaient tous comme mes parents, à savoir des gens qui s'étaient mariés il n'y avait pas si longtemps que ça, et qui n'avaient pas de logement. Alors en plus, quand on vient des maisons du Vieux-Lille, où c'est peu éclairé, là il y a des immenses baies vitrées, qui sont même très pénibles quand il fait chaud l'été. Ouais. Donc ça nous changeait vraiment du tout au tout. Quoi. J'aime bien m'allonger sur mon lit et bronzer sur mon lit. Je ne pense pas que je puisse le faire dans beaucoup d'endroits. Non, bronzer bien. Sur mon lit. Moi je me rappelle que avant que j'habite ici, quand je passais en voiture avec mon mari, je lui ai toujours dit mais jamais je viendrai habiter ici. C'est la pire des choses, tu peux me demander de vivre dans la rue mais pas de venir habiter ici. Et franchement, le jour où on m'a proposé quelque chose ici, on s'est dit on va le visiter mais je te promets que jamais on le prendra. On a attendu 10 minutes en bas, il n'y avait personne qui était passé. Puis il me dit bah c'est calme. Je dis non, jamais tu prendras cet appartement. Il me dit, bah, on va voir. Et je dis, oui, on va voir, mais tu fais que voir. Et on est rentré à l'intérieur, on s'est regardé, on a fait, waouh, il y a une grandeur, il y avait... Les gens nous ont vus sur le palier, bonjour, ça va, oui, oui, et vous, oui, bah on se connaît pas, mais c'est tout de suite comment tu vas, et machin. Et... Pourtant, ils savaient pas que je venais visiter, rien, il y avait rien, franchement. J'ai dormi dans un quartier, mais complètement, mais mort. Je viens d'Ella, mais mon quartier était mort. Je vivais qu'avec des petits vieux qui sortaient tôt le matin et qu'on ne voyait pas de la journée. Et dehors, tu regardais par la fenêtre, c'était mort. Il n'y avait que les voitures qui partaient le matin en même temps qu'on partait à l'école et qui rentraient le soir à 17h et qui ne bougeaient plus. Et ici, j'ai trouvé une vie. Vous avez des gens qui partent à n'importe quelle heure, vous avez tout le temps, les gens sont réveillés. Vous sortez, je travaille à 5h du matin, à 5h du matin, je sors dehors, je regarde la fenêtre, il y a déjà des gens qui sont debout. Qui sont réveillés et qui sont déjà en train de préparer, d'aller venir chez eux. Donc c'est toujours vivant. Vous dormez à minuit, vous laissez les gens encore en train d'aller venir. C'est jamais endormi. Et la voie rapide n'existait pas encore là, pour Alors quand on est arrivé, il y avait l'immeuble et quand on regardait derrière, parce qu'on disait on va jouer derrière, je peux aller jouer derrière maman. Maman, je peux aller jouer derrière, oui. Mais il faut que je te voie. Oui, oui, maman, on va jouer dans les briques. Alors, c'était que derrière, ils avaient fait des pelouses qui étaient interdites, absolument, qu'il était interdit de piétiner. Donc, on était surveillés, pistés par monsieur Décatoire, qui était le gardien de l'époque. Donc, elles étaient entourées d'un petit grillage tout petit, tout bas, mais c'était interdit. Ensuite, il y avait du macadam avec deux ou trois bancs et deux ou trois jeux pour les enfants sur le macadam. Et c'est entre le train, enfin la voie ferrée, et l'immeuble qu'ils ont construit, le périphérique. C'est-à-dire qu'on avait un grand espace de jeu derrière. Alors, un domestiqué, et où on devait rester sur le macadam, mais pour les balles aux prisonniers, c'était très bien, et un sauvage. Ouais, où c'était l'aventure, quoi. Oh ouais. J'imagine. Ça, on s'amusait bien, là, on se retrouvait. Et comme les gens avaient tous à peu près le même âge, et les gamins aussi, on formait une bande sympa, quoi. Copains, copines. Puis c'était l'époque où il n'y avait aucun problème. Je me rappelle que quand on jouait à cache-cache, on faisait tout l'immeuble dans les caves. Parce que toutes les caves communiquent. Et la clé des caves, c'est un passe qui... Enfin, tout appartement peut ouvrir la porte. Enfin, c'était comme ça à l'époque. À Noël, derrière la barre, il y avait un genre de table de ping-pong. Et l'été, on allait s'asseoir là avec Marina et tout, et on parlait. Tant que les petits jouaient. Il n'y avait pas que Marina, il y avait Marina, Isabelle, Nicole. On était tous ensemble là derrière. D'accord. Avec les enfants qui jouaient ensemble. Ma dernière qui a appris à faire du vélo sur la pente, le bas d'enfant. Quand j'étais petite belle, j'aimais bien le boulevard, c'était calme. J'avais beaucoup d'amis.
mais j'avais avec qui, quand je sortais beaucoup avec les amis dehors, je traînais souvent derrière. Alors c'était quoi, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez derrière justement? Bah, il y avait des toboggans, donc on jouait des toboggans, on allait à côté, il y avait la pierre à terre, des petits jeux, donc on s'amusait. Alors maintenant, je ne sais pas comment ils sont faits les appartements, mais je sais qu'ils ont beaucoup changé. De la... ouais. Du groupe Marcel Bertrand ? Ouais, parce que nous, on a eu le seul changement qu'on ait eu pendant qu'on habitait là, c'est le double vitrage à l'arrière. Arrière seulement. Quand on est arrivé, il n'y avait pas de double vitrage. Et ils en ont rajouté un à la construction du périph. Justement, par rapport au périph ? Ouais, les fenêtres, on ne peut pas les laisser ouvertes. Ouais. C'est soit on attend le périph, ou soit on écoute la télé. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Mm. Oh, l'été, c'est pire. C'est pire. Avec les jeunes qui jouent dehors plus tard, forcément. Mm. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui te dérangeait ou... En fait, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui te dérange, en fait. Bah là, moi, quand je dors, je dors. Ouais. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de gens. J'entendais juste la voiture et la télécommander de mon voisin à 3h du matin. Ça me saoulait. J'ai dit à mon mari, on se croirait en maison de retraite, là, il faut qu'on se barre. Et on est arrivé ici. Mais tu vois. Et là? Et là, il y a ce bruit, je ne sais pas si vous entendez, là. Oui. Vous entendez? Ce bruit d'autoroute. Ça va vous manquer. Tu trouves qu'il est en train de se détériorer? Ouais. Comme, donne-moi un exemple. Par exemple, là, il y a plein de... Il y a un gros truc, ça s'appelle les murs comme ça, tu vois là. Les voûtes? Oui, les voûtes. Il y a des trucs qui tombent des voûtes. Des choses qui tombent des voûtes. Après, les gens ne tenaient plus à rester parce qu'il y a eu aussi le côté c'est pas bien d'habiter dans un HLM. Ça, le côté un peu snob, le côté dégradé. L'image que ça donne et tout ça. C'était plus aussi bien d'habiter voilà. À HLM. Petit à petit, habiter un HLM n'était pas glorieux. Mais ça, bon, c'est vrai aussi que la société, c'est pas le boulevard de Strasbourg qui a évolué, c'est la société en règle générale qui est plus la même que, bah, qu'il y a presque 50 ans. Non, il n'y a pas presque, il y a 50 ans. Nous, on habite ici. Jusqu'à présent. Ici, là, quand il y a la police qui vient ici, il a trouvé des mauvaises choses. Elle est venue en bas, il a trouvé des mauvaises choses. Ou bien il est parti de l'autre côté, il a trouvé des mauvaises choses. Mais il n'a jamais trouvé quelque chose chez nous ici. On est propre, on est dans notre boulot, on a notre affaire, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Non, mais du coup, ça vous blesse? Voilà, c'est ça le problème. Ça vous blesse? Non, mais, pas, là. Oui, mais bien sûr, bien sûr. On dit que bouloir. Parce que du coup, on est tous pointés du doigt. Bah ouais. Mais la façon que les gens qui sont pas là, ils parlent de dire que boulevard c'est mauvais, pour nous, on est, franchement, nous on n'est pas. En tout cas, on n'a rien vu. On est là. Ah partout, ouais. Partout maintenant c'est mauvais. Mais plutôt, ils parlent qu'ici. Ils parlent qu'au boulevard. Et pourtant, boulevard c'est pas comme ça. Hein. Si toi tu n'es pas dedans, tu ne peux pas savoir. En tout cas, s'il y a mauvais ici, peut-être il y en a, mais nous on ne savait pas. Ouais. Voilà, c'est comme nous, on vit plus entre nous. Voilà. Donc, on ne se met pas. Voilà. Voilà, on se met pas. Oui. Pas de ce qui se passe à l'extérieur, à part aller faire nos courses, tout ça. Donc, ça fait qu'on ne peut pas vraiment voir les côtés sombres. Je veux dire, c'est vite fait, quoi. Mais on vit ce côté sombre sans la vivre. On ne va jamais oublier ici. Quoi. Vraiment, parce que c'est l'endroit qui nous met à l'aise. Vraiment. Non, parce qu'ici, on sait ce qu'on vit, on sait qui on est, et finalement, on connaît notre voisin, comment il est aussi. Alors que les gens qui sont de l'extérieur, ils voient juste les dealers en bas. Ils ne voient pas qui nous on est. Et si les gens ils s'arrêtent juste aux dealers et qu'ils ne regardent pas plus haut qu'il y a un bâtiment et des gens qui y vivent, il n'y aura jamais rien entre eux. C'est pas parce qu'il y a des jeunes qui sont en bas, qui font des bêtises, qui squattent, que tout le bâtiment, enfin tous les habitants de la bar Marcel Bertrand sont pareils. Dans toute la bar Marcel Bertrand, 90% des gens qui y travaillent, enfin, qui y habitent, travaillent. Leurs enfants vont à l'école, une vie de famille comme tout le monde, comme Oisem, comme centre-ville, comme partout.
Bah, de toute façon, dans des logements LMH ou peu importe, vie logée, n'importe quoi, il y a toutes sortes de familles. Bah, il y a des ouvriers corrects, il y a des ouvriers qui ne sont pas corrects, il y a des chômeurs, il y a des chômeurs, il y a des bureaucrates, il y a tout. Mais ça arrivait un jour, j'étais avec ma sœur. Ah oui, on était ensemble. Il y a une dame, on était au bis, dans la bise ou quoi. La dame, elle arrivait à côté de nous. Au moment qu'on passe devant le boulevard, il dit, oh là là, boulevard là. Je ne voulais même pas passer devant cette boulevard là. Moi, je n'aime pas les bises. Je n'aime pas ici, ça fait bon. C'est oh là là. Je regarde et je dis, mais madame, excusez-moi. Je dis, le boulevard que tu parles là. Je dis, moi, nous, on vit dedans. Le boulevard là, cette boulevard là. Franchement, désolé. Nous, on vit. Pour nous, c'est rêve. Je revendique que je viens de Marseille-Bertrand et que j'adore cet endroit. Donc on peut me dire oui, il y a des enfants, il y a ceci, il y a cela, c'est mal fréquenté. Non, je ne trouve pas que c'est mal fréquenté. Après, ce qui se passe, les mauvaises fréquentations, moi j'étais dans d'autres quartiers, c'est la même chose. Je suis allée du sud, je vais à Fives, c'est la même chose, c'est mal fréquenté aussi. C'est pas pour ça que je vais pas. Enfin, que les gens disent que c'est. On n'en parle pas, on parle que de Marseille-Bertrand, que de Porte d'Arras. Non, moi je. Moi je suis toujours attachée aux choses. Par exemple, je suis lilloise. Hier, j'ai regardé le Paris-Roubaix à la télévision et je me disais, ah, c'est bien parce que les gens qui regardent Paris-Roubaix, ils voient qu'il y a du soleil chez nous. Et ça me touche et j'ai envie que les gens aient une bonne image du Nord et de Lille en particulier. Je déteste qu'on dise du mal de ma région et de ma ville. Donc, Marseille-Bertrand, c'est aussi un peu un truc à moi quand même, puisque j'y ai habité longtemps, et puis que c'est là que j'ai été petite fille, et puis adolescente, et puis que quand j'ai commencé comme prof, j'étais encore là. Maintenant, enfin, ouais, je regrette en tout cas quelque chose, c'est d'avoir dit que jamais j'habiterai ici. Parce que j'ai vécu 4 ans, et pour le moment, c'est les meilleurs de ma vie. Parce que la question de la délinquance sur la barre colorée, même si toi qui as travaillé là-bas, en fait. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Toujours. Mais en plus, c'est pas forcément les jeunes de là-bas en plus. Non. Non. Non, non. C'est des jeunes de partout. Bah, là où je suis maintenant, il y a de la délinquance. Toi aussi, à la filature, il y a beaucoup de. Beaucoup. Non, il y en a beaucoup. Mais on sait quelle famille n'est pas correcte, quoi. Donc pourquoi ils font pas quelque chose et les mâches, pourquoi ils attendent que ça s'empire et vivement qu'on déménage. On veut vraiment pas être dans le quartier. Quand on voit la délinquance en bas, je sors un peu avec mes enfants, dès que je vois les trafics, les jeunes qui se ramènent, les drogués, j'ai fait allez, on rentre. En plus, c'est les enfants qui font faire de n'importe quoi ici. Ils ne sont pas habitués ici. Ils sont pas là. Ils ne sont pas ici. Pas c'est ce qu'on nous a dit en général, ceux qui, les jeunes qui faisaient des bêtises, ils n'est pas d'ici, du boulevard en fait. Ils ne sont pas ici. Ils sont pas ici. Il faut que les gens savent ça aussi. Mais il y a des gens qui pensent même à ça. Ils disent seulement boulevard, c'est mauvais. Et pourtant, tous les enfants là, nous, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a de tout. Mais nous, on sait, on ne connaît même pas si les enfants, ils vivent où. On ne connaît même pas leurs parents. Voilà, mais il y a des gens qui parlent de boulevard, comme par exemple les soucis noirs. Ils voient un enfant de noir, ils pensent que c'est à moi. C'est et pourtant, ce n'est pas nous. Il y a une chose qui m'étonne, moi. Quand on dit la drogue, leur drogue, là, ça vient de où? Est-ce que ça fabrique ici ou bien où? Nous, on ne sait pas. Ça traverse une frontière. Pourquoi on vient ici? Tous les gens qui viennent ici, nous, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Bah, c'est le souvenir des jeunes qui squattaient au niveau de mes escaliers en fait. Donc bien sûr, tout au début, on se demande quand on sort, est-ce qu'on va retrouver notre appartement bien ou cambriolé. Mais bon, ça s'est jamais passé. T'as jamais eu de. Jamais tu as été cambriolé? Non. Et bien au contraire, les jeunes, ils étaient là, mais quand je revenais avec la poussette ou quoi, ils donnaient un coup de main pour monter les escaliers. Donc moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Aussi, le fait que les jeunes soient là, est-ce que ça rythme vos allées et venues ou pas? Moi, surtout que on se sent un peu prisonnier, c'est quand les policiers viennent, qui sont dans le bâtiment et on peut pas sortir. Ou ça fait, il y a tous des camions de policiers qui sont là et puis c'est en train de courir de droite à gauche après les jeunes. Donc nous, dès qu'on voit ça, on rentre. Il y a des jeunes qui squattent parce qu'ils ont nulle part où aller, parce qu'ils veulent rester dehors. Prendre du soleil, prendre du bon temps, rigoler, jouer au foot. Et puis, ils ne veulent pas rester à la maison à regarder la télé. Puis, si on regarde bien, vous allez n'importe où.
il y a toujours des jeunes qui squattent en bas, parce qu'ils n'ont aucun endroit où aller. Après, c'est pas parce qu'ils squattent en bas qu'ils font des bêtises. Nous-mêmes, en tant que maman, vous rentrez à 4h30, on est en bas en train de discuter, parce qu'on n'a pas envie de rentrer, parce que c'est du squattage aussi. Après, je me dis, à partir du moment, tout ce qu'il y a dehors, après le moment où moi, chez moi, la porte, elle est fermée, et je sais ce qu'il y a chez moi, dehors, il peut y avoir n'importe quoi, qu'on s'en contrefiche. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ma porte. Après, l'extérieur, je m'en fiche. Toujours squatter. Oh, okay. J'ai pas vu la preuve. C'est ça le plaisir. Ouais. Alors raconte-nous le bonheur que c'est de squatter. Bah, se retrouver entre potes et tout, c'est. Entre potes, c'est bien. T'as des potes ici. Tu le fais déjà. Bah ouais. Après, on a. Y a pas cette fille. Ouais, c'est ça le problème. Comme ici, quoi. On est toujours les uns avec les autres. Que. C'est une embrouille, on va pas le laisser tout seul, on va tout seul avec lui. C'est 20 centimes le timbre! Non, mais okay, c'est les délires avec lui, ça me manque. 20 centimes le timbre? Ouais. Tu le vois plus? Non. Il est parti où? Rue d'Arras. Il est pas loin, mais il est tout en cours du coup. Maintenant, je peux pas le voir. Il montait dans la fenêtre. Ouais, il n'y avait pas la grille à l'instant. Comment ça? Ah oui, on est au premier, alors il montait? Ouais, tu sais. Il montait. Il montait pour venir me chercher. Ouais, il a eu du mal à monter aussi. C'était un petit bouboule. Moi non, pour aller au collège, il pétait un plomb parce que à chaque fois j'étais en retard et tout, c'était marrant. Il fait ça, lui, il a vraiment envie de partir. Oui, il fait ça. C'est pour pas qu'on puisse le mettre avec les autres. Les autres enfants, les autres. Je veux dire, les villas. Mais sinon, il adore ça aussi. Hein. Il a plein de copains ici, il a grandi. Il est arrivé ici, il avait 3 ans. Il en a 20. Boulevard aussi, il y a quelque chose qui passe ici. Ça nous fait très mal. Même les enfants, ils voulaient aller, ils entendent ça, c'est le travail. Voilà. Ils viennent devant la mairie, où ils viennent, l'endroit qui. C'est le travail qu'ils voulaient faire. Ils demandent toi. T'habites où? Boulevard. Ah non, mais là aussi, c'est pas possible, il n'y a pas de place pour nous. Mais pourtant, c'est pas ça. Mmh. Aujourd'hui, on a de bonnes familles à Lille. On a des enfants à Lille. On veut que nos enfants soient un député ou bien un maire ou bien un président de la République. Pourquoi pas? On veut que nos enfants soient être sas, être gentils, respecter les autres. Et la loi française, dans aucun pays, quand tu vas dans un pays, le premier chose que tu dois respecter, c'est la loi. Mais seulement ce que nous, on veut aussi que. Il faut que l'État doit nous aider beaucoup aussi. Pour aider nos enfants. Parce que c'est nous en Afrique. On se dit là, je vais voir le million. Mais je ne pense pas au million, je pense à mes enfants. Quand mon enfant il réussit bien, ça me plaît, ça me fait bien plus que de l'argent. J'avais des voisines en dessous. Au début, c'était des Français. Hein. Au début, c'était difficile. Parce qu'à chaque fois, elles toquaient à ma porte, elles faisaient du bruit. Bon, au début, je disais aux enfants, c'est vous qui faites du bruit, tout ça. Mais après, je me suis rendu compte que c'était un peu exagéré. Quoi. Et donc, du coup, surtout le jour qu'elle m'a dit qu'elle entendait les bruits des meubles, etc., je fais alors là, je commence à voir votre mauvaise foi. Quoi, parce que vous n'allez pas me dire que je déplace mon fauteuil. De un. De deux, ma table, il y a une roue. Il y a des roulettes en dessous. Donc je ne vois pas le bruit comme vous décrivez qu'une table avec des roulettes peut faire comme ça. Quoi. Je dis alors que moi j'entends votre enfant pleurer la nuit. Peut-être que vous la battez ou vous les battez, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui cloche. Et depuis ce jour, c'est vrai qu'elle n'est plus revenue se plaindre. Par contre, moi, quand je fais à manger, hein, je ramène un petit peu. Et comme ça, on a créé des liens. On est devenus amis, quoi. Avant même qu'elle déménage. Et une fois, quand la fille de Massiata, elle a sauté du 6e étage, c'était son mari. Voilà, c'était le mari de moi. Voilà. C'est lui qui a vu la petite tomber, en fait. Il a vu arriver et il est parti se mettre en dessous. Mais il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Il manque le jour d'anniversaire de ma fille.
On arrive ici le jour de son anniversaire et il y a ma voisine qui décède le jour de son anniversaire. C'est vraiment. C'est pas des bons souvenirs qu'elle a. Elle a un bon terme avec elle. Ouais, on s'entendait super bien. Valérie. Mais donc elle était malade et c'était une surprise le fait qu'elle meurt. Non, elle le savait très bien qu'elle était malade. Elle a même été faire les examens avec lui. Hein? Donc vous l'avez emmenée là-bas quand même. T'as été à l'hôpital avec et tout. Bah c'est qu'il existe quand même des liens entre les habitants ici au fond. Ouais, ça dépend les voisins. Plus maintenant. Si. Mais avec mon papy bourgeois. C'est... Avec qui? Papy bourgeois. Monsieur bourgeois. C'est qui monsieur bourgeois? C'est un voisin du... Sixième. Septième. Ouais. Que soit mal vraiment. Septième et je le considère comme mon papy. Je l'ai nommé papy bourgeois. C'était ton papy bourgeois, ça te... Ouais. Bon. Sa femme aussi, c'est pareil. Et c'est quoi le lien qu'il y a entre vous? Ouais. Des voisins. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec eux, ça... c'est très soudé et avec d'autres pas? Ça a des têtes de con. Parce que ça rigolait. Avec les autres, ils restent de poules. Et eux, ils adorent les enfants, donc ils sont pas comme certains voisins qui supportent pas les enfants. Alors, elle a frappé mon mari et tout. Ah bon? Et pourquoi elle en est arrivée là? Parce qu'en fait, madame, elle dit qu'on fait du, elle disait qu'on faisait du bruit et qu'on bougeait des meubles et que ça résonnait sous son sol. Mais en fait, moi, je suis en dessous et elle était au-dessus. Donc, je sais pas comment je fais, à moins que je déménage mes meubles sur le plafond. Et on avait beau dire que c'était pas nous, si. En plus, elle nous parlait dans sa langue, donc on comprenait jamais rien. Et un jour, il y a eu feu dans le bâtiment. 58 au troisième étage, je crois. Du coup, on a dû tout sortir. On devait même venir ici au centre pour manger si on voulait. Et quand on est remonté, elle a attrapé mon mari, elle a giflé. Là, c'était plutôt les disputes de voisinage, oui, la mauvaise entente. Et on faisait un petit truc, c'était invivable en fait. Je devais dire aux filles, chut, criez pas, chut, parlez moins fort. Que maintenant elle est plus là, il n'y a plus personne les deux étages au-dessus, au moins comme ça on est tranquille. D'accord. Mais en fait je crois que c'était celui du 8e qui faisait du bruit et elle croyait que c'était moi. Comme elle disait, tes enfants ils pleurent, les bébés ils pleurent et tout machin, ils ont 15 ans, c'est pas des bébés. Bah moi c'est bonjour, bonsoir et puis voilà. À part Julie qu'on allait de temps en temps boire un café ou elle qui venait à la maison. D'ailleurs, pourquoi c'est ça? Alors c'est quoi cette histoire avec Lidl? Expliquez-moi. Parce qu'en fait, à chaque fois, à chaque fois qu'il nous manquait quelque chose, on allait chez Julie, on lui demandait si elle avait pas un pot de mayonnaise ou... Du sel, ouais. Et donc, Joannetta, elle m'a dit, marraine, ça y est, on a trouvé un nouveau Lidl, c'est Julie. Et est-ce que Julie, des fois, elle venait vous chercher un peu de sel ou un peu de... Non. Non, c'est plus nous qui allions chez elle que elle venait. D'accord. En fait, de voisines, vous êtes devenues presque sœurs. Presque sœurs, ouais. Parce que on est toujours ensemble. On est tout le temps ensemble. C'est vrai que quand je vais aux HLM, là, tu me vois. Ah, vous n'êtes pas avec madame Attel? Non, je suis avec. Je suis tout seul aujourd'hui. Ah, dis-en, c'est en tout cas. Une amie d'enfance que j'ai. C'est une amie d'enfance. C'est ma marraine. Ah, pourtant, c'est grâce à vous les retrouvailles. On était toutes petites. On était amis, puis on s'est perdu de vue, puis grâce à lui, on a déménagé ici, ils sont arrivés, il l'a reconnu parce qu'il la connaissait. Il la connaissait avec son ex, donc il a connu là-bas. Et après, elle est arrivée là, et puis. Moi je me rappelle plus, mais elle se rappelle de quand on était petite. Moi, mon voisin, quand je le vois le matin d'abord, je lui dis bonjour, ça va. Donc c'est important. Si je vois qu'il s'en va, je serai malheureux, quoi. Je dirai au revoir, mais quand même, ça fera le souci. Mais moi, j'avais pas l'impression d'être dans un grand ensemble. Parce que c'était aéré aussi, tu disais que tout était ouvert, qu'il y avait de l'espace derrière. Et puis parce qu'on se fréquentait quand même par petits groupes. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas loin dans le bâtiment. Moi je connaissais les gens du 76, 74, 72 déjà, je connaissais plus grand monde. 70, je connaissais une ou deux personnes et après, je ne connaissais plus.
Il y avait quand même des regroupements qui se faisaient par géographique, quoi. Donc tout le monde était posé là. Puis à l'époque, quoi, tout le monde, plus ou moins, il y avait pas mal de gens qui fumaient aussi. Mmh. Donc ben, on se retrouvait là, et on allait acheter le journal de Mickey. C'était bien le journal de Mickey, une fois par semaine, on avait nos sous pour acheter le journal de Mickey, c'était vraiment... Et tout le monde vivait un peu de la même manière. C'est que les gens, ils disaient quand même qu'il y avait une solidarité, qu'il y avait un esprit particulier à Marcel Bertrand. Ouais, mais ça c'est un petit peu à force de fréquenter le centre que ça s'est développé, parce qu'au début, non. Hein. C'était pas comme ça au début, non, hein. Non. Pas du tout, hein. C'était froid. C'était froid, oui. Ouais, c'était froid. Et puis les gens de la barre grise, ils se mélangeaient pas avec la barre colorée. Séparés. Ils étaient séparés, vraiment. Où on trouve que c'est familial, c'est quand il y a des animations comme le quartier des pieds, la fête des voisins. Alors là, tout le monde se retrouve et tout le monde se parle. C'est une force que quand l'un ou l'autre il tombe malade, l'autre il peut conduire les enfants de l'autre. Et surtout que bah, moi j'avais souvent, quand j'ai eu mon dernier, j'avais pris un cachet pour couper. Pour en finir, il était trop fort. Donc je ne savais plus respirer, je n'étais plus pas bien. Puis j'étais tout seul, mon grand n'était pas là. Donc, heureusement que la marraine n'était pas loin. Je l'ai appelée, et bien, elle s'est occupée de mon bébé. En attendant que bah, ça va mieux. Mais l'un ou l'autre, quand on a besoin de l'autre, on est toujours là. S'il y a un problème ou il y a une bagarre entre les grands ou quoi que ce soit, bah, les mamans sont en train de se séparer. Et puis c'est tout. Hein. En 2009, je suis partie en Afrique avec les enfants. C'était la première fois qu'ils y allaient. Donc, mon mari, il était là tout seul parce que j'étais partie. Voilà. Mmh. Et donc, il venait manger ici. Voilà. Parce que moi, je n'étais pas là pour le faire à manger, les plats de chez nous. Donc, c'est elle qui faisait le repas. Donc, lui, il venait manger ici. En fait, moi, j'ai compris aujourd'hui que vous formiez en réalité une famille. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est vrai que quand on n'est pas là pour que vous nous l'expliquiez, on ne peut pas le deviner. Nous, on pense que tout le monde vit comme nous. Peut-être que vous, quand vous êtes arrivés, vous pensez que tout le monde vivait comme vous. Peut-être que vous avez été surpris. Mmh. Et du coup, on n'imagine pas que vous êtes une même famille. Mais bien sûr, même si on ne se connaît pas en Afrique, moi, je peux partir tout à l'heure. Quand je parle, madame là, bon, je connais ici. Mais arrivé là-bas, je vais demander sa famille. Mmh. Pour aller dire bonjour. Mmh. Ah, j'ai trouvé madame là-bas, il va bien, ça va, les enfants, ça va. Il donne de bonnes nouvelles pour assurer la famille. C'est nous, c'est comme ça. On n'aime pas être isolés. Coup, ça nous a fait encore une plus grande famille. Ouais. Les gens, ils ne regardent pas si on est dedans ou si on n'y est pas. Je pense qu'ils regardent surtout la personne. Et après, c'est ça, l'intérieur, quand on y vit, on ne fait plus attention à qui n'y vit pas et qui n'y est pas. Tout le monde est accueilli. Tout le monde, ouais, voilà. Moi, je me rappelle d'une chose ici qui n'est pas de la joie, mais bon. Quand ma fille s'est fait renverser juste à Port d'Arras, je regardais par la fenêtre. En fait, je l'avais confiée à mon voisin pour la ramener au centre. Et bah, ce monsieur s'est fait écraser, en fait, avec son enfant et la mienne. Et il y a une... Enfin, mon fils était encore tout bébé. Et son biberon était tombé, donc de la cuisine, j'ai dû aller au salon pour lui redonner le biberon. Et en fait, quand je suis revenue, il y avait une foule sur la rue, c'était incroyable, mais un noir de gens. On aurait dit qu'il y avait une mini braderie qui se déroulait là, sur ce petit bout de trottoir là. Et bon, j'ai eu une montée qui est venue comme ça. Et finalement, je vois une maman qui se met à courir. Et puis elle court, cette maman. Et elle regarde en l'air comme ça tout le bâtiment et elle court. Jusqu'à s'arrêter devant moi pour me dire « ta fille s'est fait écraser ». Et j'ai perdu tout ce que j'avais sur moi. Je lui dis « monte me garder mes enfants ». Alors que cette femme, ni je lui disais bonjour, ni je la connais, ni je ne l'ai jamais regardée dans la rue. Je savais qu'elle habitait ici, mais je ne savais même pas où elle habitait. Et je lui ai confié mes deux enfants. Arrivé à l'hôpital, je m'occupe de ma fille, je me dis « punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ?» J'ai donné mes enfants à quelqu'un que je ne connais même pas. J'appelle mon mari, je lui dis « il faut que tu vas à la maison, il s'est passé ça, Kenza, nanan et tout. » Il arrive à la maison et cette dame, elle était assise dans mon fauteuil avec mes enfants. On demande ça à quelqu'un d'autre, il va vous dire quoi? Ben, on prend ses enfants, on appelle une assistante sociale, on lui vole ou je sais pas.
Non, elle, elle était chez moi avec mes enfants et elle attendait. C'est bizarre. Là, il y a une solidarité ici qu'on retrouvera pas. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que tout le monde se dit on est dans la même galère, donc on va s'entraider? Est-ce que c'est le quartier qui fait ça? Moi, il n'y a que dans ce quartier-là que j'ai vu ça. Pourtant, j'ai fait d'autres quartiers, mais il n'y a que dans ce quartier-là que j'ai trouvé cette solidarité. Comment vous trouvez justement aussi l'échange entre les différentes... Parce qu'il y a différentes communautés, cultures en tout cas, qui... il y a une culture de la barbe, mais en tout cas, il y a différents types de cultures. Tout... Oui. Comment vous trouvez que ça se passe, ça? Bien. On s'amuse bien. Bien. On rigole bien. On pose des questions, voilà. On nous répond ou on nous répond pas. Mais... Et inversement, vous pouvez. Et inversement, on est ouvert à tout. On a appris la cuisine maghrébine, on a appris la cuisine africaine, on a appris la cuisine un petit peu de partout. De tout, ouais. Ça vous a. Après, on fait des mix, on mélange du français avec du maghrébin. Et ce qui est bien aussi, c'est que. Enfin, je peux pas, je sais pas comment vous dire ça. Quand un enfant se blesse, bah, c'est à l'enfant de tout le monde. J'ai l'impression qu'ici, on a la même chose que quand... ce que je n'ai pas connu, mais quand je vais au Maroc ou en Algérie, l'enfant, quand il est dans une maison, donc il y a la maman, la grand-mère, la tante, il y a toute la famille, et puis l'enfant, il est élevé ensemble. Il n'est pas élevé juste par la maman. Mais ici, on a l'impression que c'est la même chose. C'est un cocon. Et les enfants sont élevés ensemble. Ils ne sont pas élevés, je ne sais pas si tout ce que tu en penses, toi. Donc, non, c'est vrai. C'est l'enfant, parce que et son fils, ce petit Zaki, il le voit. Et puis, donc, tous les enfants nous appellent tata. Donc, pour eux, c'est des tatas. Oui. Ce que j'ai vu hier, tata, tata. Oui. Donc, ils vont venir nous faire des câlins. Et puis, si jamais ils tombent, on est là. Si jamais ils ont faim, on est là. On va donner des gâteaux. Pas juste à notre enfant, non. On va donner à tous les enfants qui sont autour. On ne pense pas juste à prendre un gâteau pour le nôtre seul. Non, mais on prend le paquet et puis on va donner aux enfants tout autour. L'eau, la même chose. La bouteille d'eau, on ne va pas prendre une mini bouteille d'eau, on va prendre la bouteille là avec les verres pour donner à tous les enfants qui sont autour. C'est vraiment comme si on était vraiment dans une famille. Et ben, les enfants, on va les élever ensemble. Donc, s'ils se disputent, on ne va pas taper sur l'enfant, on va se dire non, vous êtes ensemble. On les prend tous et on tape tous. Voilà. Là, j'étais retard. Mais si c'est au boulevard, là, je peux appeler quelqu'un, oui. Qui va aller. Même ici, on n'a même pas besoin d'appeler. Mm. Tu viens à premier, tu prends tes enfants, tu prends tous les enfants. Mm. Là, merci. Le 17, la vendredi 17 autour, ça m'a fait pleurer, j'étais retard. Au moment que je vis à l'école, ça m'a fait penser au boulevard. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Et si c'était au boulevard, je n'ai même pas besoin d'appeler. Non. Au moment que je viens, je trouve ma fille, elle était toute seule. Je dis, voilà, c'est bien fait pour vous aussi, parce que si c'était au boulevard... Ça ne se serait pas passé comme ça. C'est pas passé comme ça. Ouais. Parce qu'elle va arriver à l'école, elle va trouver un enfant dont la mère n'est pas encore arrivée. Ouais. Elle va récupérer. Mais il y a certaines personnes, assistantes sociales, c'est eux qui parlent de mal d'ici, on dit boulevard de cafard. Une solidarité réelle, c'est pas qu'un mot. Parce qu'il y a un moment là, il y avait une fille qui était décédée ici. Là. Oui. Tout le monde était ensemble. La maman même voulait pleurer, mais elle n'est pas pu pleurer. Voilà, elle n'est pas pu pleurer parce qu'il y avait de solidarité partout. Il y en a qui vient rester tout près de la famille. Si la personne elle habite à Roubaix, il a des enfants là-bas, ça va être difficile. Ouais. Il y en a qui dorment. Donc c'est comme ça. Il y en a même qui dorment par terre pour donner la force à la famille. Ouais. Donc c'est important. C'est comme ça. Tu sais, quand j'ai un problème, si je te vois devant moi, tu dis, monsieur Touré, calme-toi. Je vais voir le courage à ce qu'on est. Mais si je suis tout seul, il y a des fois, je vais prendre une mauvaise décision contre moi-même. Et c'est comme ça, nous, on n'aime pas être isolés. Quand on voit la barre grise, on croit qu'il n'y a que des Maghrébins ou que des Noirs. Et non, pas du tout. Nous avons des Chinois, nous avons des Français. Des Français. on a aussi des Indiens. Donc, on a deux familles indiennes. Et donc, tout ça, ça fait comme. C'est le monde. Le monde à Mercier-Bertrand. Donc, les Africains, on a des Africains de toute l'Afrique. Donc. Je trouve que c'est beau. Mercier-Bertrand, c'est une planète. C'est
tous les citoyens de la planète ensemble dans un seul quartier. Sept dans le bâtiment. Cette famille, tu veux dire, ou cette famille. Cette famille. Cette famille. Ça fait ma voisine. Ah non, attends. Ouais, sept. Ma voisine là du 8e est partie. Celle à côté, elle est là, donc ça fait là. Ma voisine du à côté Micheline, on se côtoie un peu, temps en temps. Après ça fait trois. Après il y a la Caspide en dessous, son frère. Cinquième. En face, il n'y a plus personne. Quatrième, il n'y a plus personne. Troisième, il y a Isabelle. Deuxième, il n'y a plus personne. Premier, il n'y a plus personne. Et rez-de-chaussée, il n'y a plus personne. Ça se vide et surtout quand ça résonne. Ça résonne beaucoup quand les personnes partent, tout ça. J'ai envie de... Des fois, quand je vois les autres qui sont en train de déménager alors que ça fait moins longtemps qu'ils sont là, ben, je pars dans mon coin, j'ai les larmes, j'ai mal à mon cœur. Tu sais, on aime beaucoup Moulin là, entourage, parce que le métro est tout près. On connaît tout ici. Mais quand il nous prend ici pour nous envoyer quelque part qu'on ne connaît pas de tout, pour nous, c'est comme on a commencé notre aventure. Donc ça nous fait un peu de mal. De se séparer comme ça, il y a un qui est roubé, il y a un qui est l'autre côté, tout ça là, ça nous rend. Mais pour l'instant, toi, Dienagou, t'es pas très loin. Ça s'est bien passé. Oui, bien sûr. Parce que là, les logements qu'ils vous proposent, ça reste sur l'île, mais ça vous paraît trop loin, déjà. Oui, trop loin. Dans toute façon, écoute-moi, il y a une maison là-bas, moi je suis là-bas, cette femme-là, elle est de l'autre côté, l'autre, elle est de l'autre côté. Pour nous, tout ça là, c'est un peu loin. Tu vois, cet bâtiment-là. Nous, on vit ici presque 20 ans, ici. Et tout ce qui se passe ici, ça ne dérange pas. Quand il y a tout ça là-bas, je pourrais aller voir. Donc, c'est tout près, quoi. Et le matin, on se voit aussi. Quand je regarde la fenêtre, quand je vois, je dis, madame, bonjour, bonjour. Même aujourd'hui, où le téléphone nous permet d'avoir des informations très, très vite. Non, de toute façon, le téléphone est important, quoi. Mais on ne peut pas tout faire au téléphone, vraiment. Voilà. Quand on se voit en face à face... C'est important aussi. On rigole pour dire que nous, la présence physique, elle est importante. Elle est importante. Et vous avez cherché à partir avant, parce que a priori, si... Depuis 2001, j'ai fait maman en 2004. D'accord. En fait, toi, tu veux partir à l'île sud, ton fils à Lambersart, et Alain... Moi, j'ai envie de voler loin. Bah, peut-être dans la Somme. Sortir de l'île, carrément. Ou Gadeau. Ah, on fait... Ah, non, c'est bien, alors chacun son côté. T'es vélo, toi? Ouais, du côté de Oisem. J'ai demandé du côté de Oisem, comme ça, ça le rapproche du collège. Il va aller en Belgique. Bah, il a dit à Lambersart. Non, il va aller en Belgique. Ouais, on veut déménager, mais on se sépare pas trop loin. Qu'on peut, si elle a un appartement à côté, moi j'ai le mien à côté. Ou elle a une maison et moi mon appartement à côté. Mais qu'on soit pas séparés. Excusez-moi. Toutes les deux. Parce qu'on n'a pas envie de se séparer toutes les deux. Bah, surtout pour les enfants. Si je pouvais habiter de nouveau un appartement comme ceux qui existaient là, au niveau conception, je serais contente. Et je pense que c'est ce qui doit faire aussi la difficulté pour les gens de quitter, dans la mesure où vraiment c'est un chouette espace. C'est agréable, c'est clair, c'est facile, quoi. Il y avait un tas d'endroits pour ranger. Et ce qui manque beaucoup, je crois, dans les appartements modernes que les gens retrouvent, c'est ces façons de pouvoir s'arranger avec tout ce qu'on a, en le rangeant de façon intelligente et pratique et discrète. Et là, ils ne le retrouvent plus, donc forcément, ils ont l'impression en plus de perdre de l'espace beaucoup, je pense. Qu'est-ce qui va te manquer ici, toi, quand tu vas partir? Rien. T'es prête à aller n'importe où? Ah ouais. T'es pas... On s'en fout tant qu'on déménage. Ouais, là, il est temps de déménager. Ouais, moi ma plus grosse peur, c'est de rester tout seul dans le bloc. Et là, vous êtes combien encore dans le bloc? On est encore pas mal. Et tu te sens prête à, par rapport à... Parce que là, tu partirais sur... Tu resterais sur le quartier de Moulins? Sur le relogement ou... Ouais. Moulins ou Fives. On t'a proposé Moulins ou Fives? On m'a pas proposé, mais on m'a dit... Parce qu'au début, je voulais Villeneuve d'Ascq, l'île Centre et l'île Vauban. On m'a dit que c'était compliqué. On m'a dit que c'était mieux Boulevard Victor Hugo ou Fives. Tu retournerais au début? Imagine. Tu ferais Victor Hugo, Marcel Bertrand, Victor Hugo. Ce serait incroyable. T'aimerais repartir sur le secteur de Victor Hugo? Ouais. Ouais.
C'est qu'est-ce que tu trouves de bien, Morala? C'est y aller de la côté. Enfin, le boulevard, ça va quand même manquer parce que c'est, je vais pas, enfin, c'est, on va dire, c'est mon enfance. Enfin, je veux dire, on a grandi ici, on connaît tout le monde. Nos meilleurs souvenirs, ils sont quand même ici. Je veux dire, enfin, c'est une base de construction. C'est ça nous a forgé un peu le boulevard. C'est tout le monde est là pour tout le monde. Il y a pas cette convivialité qui aurait. Ah, tu sens pas... on ne la retrouvera jamais autre part. Là, tu sens déjà la rue de la Justice. Là, c'était passe... même pas. C'est là, c'était vraiment une grande famille de toutes les cultures. Enfin, il y a toutes les cultures. C'est une, c'est un village culturel, on va dire. Et c'est vraiment, il y a ce qu'il y a eu ici, il n'y aura jamais autre part. C'est pas les mêmes voisins, c'est pas la même convivialité, c'est pas les mêmes histoires. C'est pas, par exemple, la pierre à corde, il l'aura pas. On a construit beaucoup de souvenirs autour de la pierre à corde. Par exemple, quand il y avait les chiens farissants, vous connaissez tous des peureux, on courait tous autour de la pierre à corde, on était tous à la pierre à corde. Voilà. Après, moi, je pouvais pas me dire que ce sera pas bien parce que. T'avais envie de partir? Moi, j'avais déjà l'envie de partir, en fait. D'accord. C'est pas du tout par rapport au bâtiment ou quelque chose. C'est que j'avais beaucoup de problèmes avec ma voisine d'en dessous. Et ça, c'était... Enfin, elle me prenait sur... Elle m'insultait mes enfants. Enfin, franchement, je vivais un enfer. Donc moi, déjà, j'avais cette envie de partir. Donc après, je me dis, si franchement, elle était pas là, qu'elle aurait jamais intervenu dans ma vie... Tu crois pas que tu aurais fait la demande? Ouais, je crois pas que j'aurais fait la demande déjà pour partir. T'es content de partir d'ici? Pas tellement. Pourquoi? Ni oui ni non. Hein? Ni oui ni non. Et pourquoi t'es pas content de partir? Je sais pas. Tu sais pas? Ouais. Derrière moi, qu'on va passer. Parce que t'as l'habitude de rester ici ou parce que tu sais pas où tu vas aller encore? Ça fait un peu peur ou... Tu sais pas trop? Tu préfères rester ici, t'as l'habitude. Le fait qu'il y ait des amis, la fille, ça te manque pas trop tes amis, d'avoir des amis tout de suite Non, on continue quand même à se voir, mais... Tu te fais de nouveaux amis? Ouais. En fait, toi t'as pas peur du changement? Au contraire. J'aime bien le changement. Alors pourquoi t'aimes bien le changement? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le changement pour toi? Voir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux trucs. Hein. C'est peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre à nous aussi. Hein. Faut pas juste se dire on a perdu quelque chose, faut voir ce qu'on a gagné. J'ai un souvenir que j'avais un chien qui joue au football avec les enfants et avec mes enfants. Alors il se faisait la ronde, il donnait le ballon à Junior, puis il disait allez Junior, tu lances. Et lui avec son museau, il lançait aux enfants. Bon après il y avait les petits Africains, ils avaient peur des chiens. Je dis faut pas avoir peur, je dis ils sont très gentils. Et je les ai mis en confiance. Et à chaque fois qu'ils me voyaient dehors, alors et tes chiens, tu sors pas avec tes chiens aujourd'hui? Ben je dis non, je dis aujourd'hui je peux pas, c'est tout à l'heure, vers 5h. T'es sûre madame, tu pourras donner ton chien? Alors je donnais la laisse et puis j'allais le promener et tout. C'était des parties de rigolade avec moi. Parce qu'ils ont peur des chiens, mais pas avec les miens.